Nous avons plaisir pour nous parler avec Max Chauvet, directeur général Novelis. Monsieur Chauvet, bonjour, nous comptons recevoir matin. Bonjour Robertson, bonjour Robinson, bonjour Daniel et Célestin, et Célestin aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et merci parce que vous sous antenne nous matin, Monsieur Chauvet. Tout d'abord, mais souhaitez recevoir nous l'autre occasion, mais notre actualité est ce qu'elle est, Novelis 1889. Actualité nous récemment, c'est que nous vandalisons l'adresse officielle, non. Quand du Val dit l'éditorial, nous n'aimons jamais être le sujet de l'actualité. Mais il se trouve, par la force des choses, que nous sommes sujet d'actualité. Et Novelis vandalisé, qui ça public là doué qu'on est, M. Chauvet? Bon, public là doué qu'on est que dans la nuit du 18, 17 ou 18, je ne sais pas quelle date exacte là. En fait, c'était la veille de attaques et que y a le vandalisme, la veille de, que y a allé vandaliser Presse Nationale. C'était la veille au soir. Bon. On a été averti par des gens du quartier, les quelques gens qui restent encore à la rue du centre, que, y a des mondes armés, qui étaient pénétrés, par infraction dans le local Nouvelle-Islam, et à côté Nouvelle-Islam, où y a les locaux de l'imprimeur, qui sont imprimés commerciales, et monsieur, on passait pas derrière, on passait dans une zone où des casernes n'ont pas coup des comptes, et ancienne coup des comptes, je voudrais dire, et puis bon, ils ont rentré, ils ont pénétré, et rares témoins qui constataient, bah, là, dis-nous que y'aurait Mounio sorti avec un pile bagaille, matériel et tout, et ensuite, nous avons pu savoir, que y'a été vandalisé. Bon, vous connaissez, le monde s'en rentre au côté, pas qu'un bagaille, y'a pas prêt. Même si y'a pas besoin de bagaille, et faut dire que nous avons une unité d'impression, une rotative, qui est son machine. Bon, ça n'a pas gagné, j'ai pu y'en prendre l'île. Mais maintenant, y'a un petit bagaille que y'a cassé là-dedans, y'a un petit dégât que fait là-dedans. Mais vraiment, étant donné pas y'a moyen pour aller sous les lieux, et nous pas qu'on fasse une évaluation exacte des dégâts. 1889, est-ce que c'est la première fois que nous vivons un événement comme ça? Oui, 98, merci beaucoup. 98. Bon, effectivement, nous passons toutes les turpitudes de ce pays, tout événement qui passait dans le pays, ça, sans aucun problème, disons, sans avoir été. Mais il faut m'expliquer où, je vais individualiser qu'à fond à faire de Novelis. Parce que des images de la rue du centre, c'est toute la rue du centre qui vandalisait, qui a frappé. Moi, je parle de deux blocs. Ça, c'est les blocs du centenaire. Là. Pour qui ça? Parce que si on prend un bloc rue pavé et rue du Champ-de-Mars, sous la rue du centre, où il y a tout d'abord, où il y a Bibliothèque nationale, où il y a Saint-Louis, où il y a l'école Lille Dubois, donc en pile l'information a fait quoi que y a boulé li, bah veut confirmer li, mais y a des images que moi m'pas qu'à confirmer que c'est l'école Lille Dubois, mais c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ensuite Novelis, ensuite Presse Nationale, tout ça ce sont des institutions centenaires. Donc c'est une partie de l'histoire du pays, et en plus de cela, tout petit commerce qui gagne, toute petite entreprise, mini entreprise, moyenne entreprise, tout vandalisé. C'est-à-dire que, et c'est pas une question de Novelis, c'est une question de, oui, du centre-là, pratiquement, pas rien encore campé, pas rien mon habitant dans oui, du centre-là encore. Parce que tout ça, on a cherché à faire pour une information. Chaque monde, dès qu'on est dans le quartier, qui l'a depuis des dizaines d'années, voisinage, non, il n'est pas là encore. Fin du Val souligné l'éditorial que nous avons décrypté avec lui tout à l'heure, et qui montre que c'est dans un cadre beaucoup plus large, et t'as dit de dévastation et du centre-ville, que c'est de petit business, que c'est de business qui gagne plus que 100 ans, et gagne dans l'institution, dans l'entreprise, que c'est dépositaire du patrimoine, une bonne part du patrimoine haïtien, M. Chauvet. C'est aussi comme ça qu'il faut approcher la question par rapport au patrimoine, selon vous, ou pas? Oh, le patrimoine, mais aussi, faut pas oublier que même dans cette ville-là, il y a des mondes qui habitaient là, tout. Même, eux-mêmes, ils ont un reportage que, on fait ça, Iboposte qui fait lire, un très bel reportage, et un document qu'elle fait. Et côté, il y a deux madames qui t'a témoigné, un petit grand monde qui t'habite rue du Saint-Clair, et une autre dame aveugle qui a raconté péripéties, ça y a subi.
Donc, c'est généralisé. On ne peut pas faire distinguo entre patrimoine, grande entreprise. C'est tout le monde qui était en bas de la ville qui est obligé de quitter. Ça dit que c'est une ville morte. C'est pas une ville encore. Je ne sais pas comment on carrière est, mais le centre-ville n'existe plus. C'est-à-dire que ça fait partie des territoires perdus maintenant. Le Nouvelliste, c'est le plus ancien média dans le pays d'Haïti qui n'a pas ou bien situé le général de dévastation du centre-ville. Et lui recevoir solidarité, une avalanche de solidarité, notamment de la NMH et d'autres lecteurs et d'autres amis du journal. Et, réaction, monsieur Chauvel. Bon, on est touché et par tous ces témoignages de sympathie et autres. Bien entendu, ça nous réconforte un peu. Mais en réalité, moi-même, d'ailleurs, que presse internationale, là, cap et charrier un discours de cap fait présenter Bandi comme des révolutionnaires, d'ailleurs, que yo vin, ouais, ça que passe Nouvelliste, là, où yo dit, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire, l'occasion institution, tant qu'au presse nationale, tant qu'au Nouvelliste, tant qu'au Collège Bud, tant qu'au Saint-Louis, tant qu'au petit séminaire, tant qu'au bibliothèque nationale, le web dévaliser tout petit machin, tout petit commerce qui gagne dans zone là, n'a besoin que yo vienne ouais ça tout pour yo expliquer comment yo cap véhiculer au pareil image de ce sont des révolutionnaires, des gens qui veulent le changement. Mais bon, c'est que il est pour gagner une sorte de wake up call comme on dit, que presse internationale là commence à dire vraiment ça qui passé dans le pays. Nouvelliste, c'est son histoire est longue, son histoire aussi de résilience, donc capacité à rebondir. Et là, nous avons un moment, j'en dis là, qui s'est précédé dans l'histoire institutionnelle. Et comment la babouche écrit ça? Et comment nous gérer? Comment nous continuer à fonctionner? Et quelles sont les ambitions qui existaient pour nous rebondir? Bon, Mabjo, il y a plusieurs victimes dans le bagage. Il y a tout d'abord nos lecteurs traditionnels du papier journal qui pas bien papier ça pendant quelques temps encore, pas combien de temps. Nous souhaitons que yo assez moderne pour y aller, pour continuer les journal et sur internet là et à travers téléphone yo ou bien computer yo. Gain victime qui s'est employé nos facteurs, nous avons 60 et 80 facteurs qui t'a privé journal là. Bon, ils ont perdu job yo, ça dit pratiquement pas de travail pour yo encore. Et des réductions du personnel pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Et nous pouvons nous dire, heureusement, alors il faut m'expliquer que depuis près de 15 à 16 mois, le côté administratif et rédactionnel du journal était déménagé déjà, nous ne pas aller nous Pétionville, parce que déjà c'était difficile pour nous arriver en bas, nous avons un bal marron, nous avons un collaborateur qui prend bal devant nos révisions, donc nous avons pensé que il était mieux que nous déménager. Ce que nous fait, ça me croit en septembre, octobre 22. Maintenant, tout ce qui est impression et production du journal papier, il était en bas toujours. Donc, dégâts importants, en le fait que tout matériel de production, que c'est lin, que c'est plat, que c'est produit chimique, que c'est papier, et bon, ça va là encore. Bon, et nous pas qu'on tout autant de techniciens que nous avons repris en possession des lieux, et techniciens qui viennent évaluer et dégâts dans la machine, nous n'avons pas qu'à projeter une reprise de la version papier. Mais depuis quelque temps, nous travaillons sur format et électronique. Là. Et c'est sous lui, nous pouvons le compter. Bon, on connaît que dans plus de monde qui voit que pour y accès à un journal, il faut inscrire ou, donc simplement, ça dit, faut bailler un email avec nom, avec email, un mot de code. Eh bien, ça va accélérer le processus que seule façon pour nous résister, pour nous qu'aimer, c'est d'avoir une version payée sur le net qui pas prêt maintenant, générer des ressources que nous payons encore. Nous payons des ressources à revenir abonnés encore. Pratiquement, il y a très peu de publicité, presque pas. Et problème, ça, son problème généralisé. Et qui a, et destruction de tissu économique là fait que tout média yo est concerné parce que yo pas bien recette pour yo survivre. Or, l'indépendance d'un média, la capacité d'un média d'informer correctement et professionnellement passe par son autonomie économique. Et si yo pas joint moyen économique ça yo, nous pas gagner des gros dégâts par fait dans la presse en général. Oui, merci à vous, monsieur, parce que vous couvrez déjà des aspects que vous avez abordés avec vous dans
nan interview a, la ou mène nou nan soulier des chefs d'entreprise, pas que ou même seulement, mais pas que chefs d'entreprise qui gardent chiffre d'affaires à diminuer, frais financiers yo qui étaient Jean Yoya, engagement vis-à-vis du fisc qui, bon, yon ti prorogation qui baille là sous délai pour payer certaines obligations face au fisc, pas gen aucun plan Marshall et à l'horizon pour l'économie après plus de 5 années de récession économique consécutive. Avant nous parler de impact situation sur les médias, menez-nous non soulier du chef d'entreprise. Comment on dormit le soir avec toutes tes responsabilités? Même bien, petit bagage. Ouais, et encore les entreprises formelles que bon ou des mesures prises par le ministère des finances dans le DGI retardé, ça c'est entreprises formelles yo, mais excuse-moi, je reviens au secteur informel. Le commerce informel, c'est le plus important dans le pays. Et eux-mêmes, ils n'ont pas de soupape ça, ils n'ont pas rien. Il y a du business qui est fermé, local qui est détruit, un bande de bandits à ZAM, et tout jeune parfois, 15, 16 ans, capturer, craser tout ça que mon travail réalisé pendant 20, 30 ans, que c'est ferronnerie, que c'est boutiquier, que c'est machin en détail, ça pas existé encore dans la rue du Satan. C'est-à-dire que yo même, yo pas gagné de quoi, yo pas gagné économie pour yo kembe, et ensuite, le bal, pour yo recommencer, yo pas gagné le sou, yo pas gagné banque qui pour le bal au cob, yo pas gagné institution formelle qui pour l'aider yo. Donc, son désastre. Et, désastre économique, ça, m'a pas comme comment on a sorti la donnée. Mais, et c'est vrai que un patron d'une entreprise, ou bien ressources, ou bien bien, ou qu'a bail comme garantie, ou qu'a négocié avec la banque et tout. Mais ça, y'a pas gagné rien, y'a pas gagné recours. Donc, supposé que futur gouvernement, y'a a fait preuve d'imagination et vient avec des propositions innovantes qui permettent que tout secteur ça yo récupérer et yo ka relancer activité yo parce que c'est le désastre total. Son continuum n'a vive là et tremblement de terre, abandon du centre-ville par un paquet d'entreprises, était déjà gain abandon après l'événement de 2004, bien entendu, il accentué après le tremblement de terre de 2010. Novelis des fonds titan dans parking promenade, et nous t'ai choisi tourner parce que nous dit faut que nous tournions l'adresse pour nous montrer que faut qu'on nouvel élan pour le centre-ville. Malheureusement, et des années après, il y a des gourmets entre groupes armés, gangs armés, et zone cathédrale, zone Bel Air, Saint-Martin, ou des fonds forts, et Tirmas, ou des Césars. T'es déjà gagné, on pend, si tu veux, un petit peu au nord-est de Centre-Ville Port-au-Prince, qui était déjà végétalisé, des blocs et des quartiers à abandonner. Ça crivait là, son métastase presque complète, M. Jovette. Est-ce qu'il y a de l'impuissance? Et là, pendant ma parole avec vous, là, j'ai une conversation, m'a peut-être évoqué, là, t'es dit, mais ce que nous vivons là ressemble à l'un de quelque chose de très grave, que je pourrais considérer comme une somalisation, pour me rappeler exactement ce que tu dis. Ça, donc, ça, on avait vu venir tout ça, M. Chauvin. Bon, effectivement, mais le constat principal, c'est que c'est l'absence de l'État, tandis que l'État n'a pas existé encore. Et tout autant que nous n'avons pas créé un État fort, un État qui a protégé les vies et les biens de ses citoyens, nous n'avons pas un pays. C'est-à-dire que, nous voulons dire 126, bon, premier, mais là, dans 3 jours, nous voulons dire 126 ans d'existence. Nous pas en transit dans le pays, là. Famille, pas déjà en transit, nous là, nous c'est 4e génération, et nous avons souhaité que petite mère continue comme 5e génération. Pas voir aucun côté. C'est dans le pays en mieux. Donc, tout ça, mieux pour me faire, c'est dans le pays, à ma fin. Donc, le discours est le suivant. C'est-à-dire que, il faut rebâtir le pays, il faut refaire ce pays complètement dans la mentalité. Je crois que nous charrions trop de bails dans notre tête, nous, qui fait que nous pas qu'à mettre nous ensemble, nous pas qu'à décider, bon, pays à, bon, dès qu'on fait une anecdote, dès qu'on c'est une blague, mais finalement, c'est réalité. Et le monde d'abdi, je peux y aller, ça pour nous faire, pour nous sauver pays à. Nous, nous, un seul bagage.
Si blanc bloqué tout haïtien, forcé haïtien rester dans le pays, garanti ou tout n'a tout n'a mettre nous ensemble, n'a construit l'hôpital, n'a construit l'école de qualité, n'a construit tout ça pour nous faire pour nous vivre correctement parce que nous pas gain option étrangère, option là-bas. Mais c'est mentalité ça pour nous changer. Faut nous comprendre que l'avenir, nous futur nous c'est dans le pays en lit. Tout autant nous pas mettre ça dans tête nous pas parler de l'avant parce que nous toujours gain ou alternative ou n'a jambé l'autre bord. Faut nous retirer ça dans tête nous pays c'est là nous y est c'est là n'a prêté et tout le monde qui a pensé comme ça il y a plus utile dans pays parce que il y a pas ouais une vision à moyen et long terme ou pas une vision pour pays ça sur bon pied l'autre bord sous à n'importe quel moment ou qu'a jeter l'autre bord. Maintenant tout à l'heure là où tu as évoqué la difficulté pour les institutions médiatiques pour la presse de survivre dans le contexte de 5 ans de récession économique, de assiette publicitaire là qui rétrécit et de vandalisme et contre un paquet d'entreprises qui pas dans business encore et vandalisme contre le Nouvelliste et gagner tout d'autres médias du centre-ville qui est obligé de quitter l'adresse historique qui est allé côté comme Simbado qui au fond minimum de sécurité. Est-ce que parallèlement à la démocratie qui si qui est sous terre dans le pays d'Haïti, pas qu'on nous pas fait élection depuis presque 2 ans, fait 10 ans là maintenant, est-ce que gon péril pour la liberté de la presse, pour la démocratie qui a pris renforcé en bas de nous ces derniers temps, Monsieur Chauvet, ou pas? Oui, gon péril pour la démocratie et pour la presse de qualité, la presse indépendante surtout, parce que l'on presse indépendante pas gain ressources encore. Qui seul monde qui pourra être capable de financer les médias, c'est pour les trafiquants de drogue, c'est pour les trafiquants d'armes, c'est pour les contrebandiers, c'est pour les, ça va être l'argent sale. Maintenant, tout autant pas gain des entreprises, pas vivre, pas respirer, pour y'a cas, y'a même fait le bon choix d'en sponsoriser médias sérieux, médias qui font travail professionnel, et il y en a plusieurs. Donc, nous parlons des rivières qui pourra mener vers une presse déjà et, qui est très critiqué et qui, ou pas connaît source de financement, c'est-à-dire qu'on parle d'une opacité autour du financement d'une série de médias et ou pas connaît savoir l'aboutir. Donc, une presse indépendante passe par, avant tout, par une liberté économique, une indépendance économique. Pas de mentir là-dedans, c'est-à-dire que, malgré bonne volonté, journaliste, là, ou bien directeur de médias, faut qu'a suivi, faut le payer journaliste et faut qu'a des moyens pour payer des journalistes et de qualité. Donc, c'est un servicieux. Tout ceci passe par le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, malheureusement, c'est l'argent. Donc là, clairement, c'est son appel pour que l'économie recommence à fonctionner bien, pour l'État à refonder, pour pays à recommencer à fonctionner normalement. Aussi simple que ça. Aussi, et que les élites de ce pays fassent les bons choix. C'est-à-dire que on a, et que l'État fasse les bons choix. C'est-à-dire, par exemple, on parle de liberté d'expression, de démocratie, mais il y a un pullulement de médias. Bon, soit dit ça, moi-même, m'a dit, il y a un problème pour me dire, moi-même, c'est presse écrite, moi, mais il y a trop de médias et il y a trop de radios. Et ceci ne fait que nuire à la profession, parce que le petit gâteau, au lieu d'être partagé par 10, 15, est partagé par 100, 150. Donc, son série de médias qui a vivoté. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une sorte de consolidation des journalistes de qualité dans quelques médias pour qu'ils fassent travailler correctement en toute liberté d'esprit, en toute liberté économique. Maintenant, Monsieur Chauvet, où se dit là, mais un journaliste aujourd'hui qui angoisse, c'est mon cas qui me dit, j'angoisse beaucoup. Parce que mon exil, mon dehors, ma vie dans le pays, ma vie là, etc. Mais, un journaliste captant d'eau là, qui soit travaille pour ou bien qui pas travaille pour, un patron de médias, captant de Max Chauvel Jodia là, qui c'est le directeur du plus ancien et du plus prestigieux quotidien d'Haïti qui désespère le plus haut public Jodia là. S'il y a un message, qui ça le Dakar, Monsieur Chauvel, avant de poser une ou deux questions sur ce livre à folie, parce que nous avons eu l'occasion de me demander ça. Bon, il faut nous prendre des scènes, mais nous, c'est-à-dire que c'est nous pour sortir. C'est pas étranger, c'est pas l'autre monde de York pour venir de nous sortir de ça. Il faut nous mettre tête ensemble. Faut nous, dans la crise que nous avons traversée, c'est une occasion encore, parce que nous avons plusieurs autres occasions pour nous faire prise de conscience. Là. Mais malheureusement, chaque fois, nous passons à côté. Là, c'est l'occasion que nous mettons tête ensemble, nous mettons au gouvernement
de qualité, des gens qui pensent pays, qui prennent les bonnes décisions, nous revenir à une constitution adaptée à la situation. Et l'homme dit au nettoyage complet de la constitution. Fonalwe, distribution et organigramme et disons, et administration publique, comment nous fonctionner. Nous avons trop communes, nous avons trop députés, et il faut revoir, parce que nous sommes rentrés dans un système de décentralisation, mais tu ne peux pas faire la décentralisation, ou tellement faire l'île qu'on a des entités qui n'ont pas de ressources, donc finalement qui viennent dépendre de l'État central, et donc ce qui nous éloigne encore de la décentralisation, il faut revoir comment gérer cet espace territorial, réaménagement, pour reconcevoir nos villes, reconcevoir l'éducation. Tout est à refaire, tout est à reprendre à zéro. Et pour cela, ça demande une prise de conscience. Faut nous admettre que nous l'aide, et faut nous pas dire c'est pas blanc, c'est pas le plan de l'étranger, c'est pas blanc qui voulait faire mal, ça, c'est nous qui l'aide, s'il est pour nous nettoyer, figure nous, pour nous prendre pays en main, dessiner pays en nous-mêmes, si nous voulons, et si nous avons l'intention de vivre dans le pays, ça, toujours. Avant d'aller dans l'Ivan Folie, Robertson, je vais souligner une conséquence peut-être insoupçonnée, mais réelle, qui gagne avec le nouvel ici qui peut sauter sur papier, c'est côté juridique là, puisque le grand bon acte, c'est dans le journal là, qu'on sort de plaque machine, vie, etc. Donc là, son lot pas encore et dans la société là, qui a impacté par la situation, ça, M. Chauvet. Il n'y a pas de doute, mais. Je peux te dire que le fait que nous avons le kiosque, ou que malgré que nous n'avons pas une version papier, mais nous avons une version qui est supposée papier, c'est-à-dire nous avons un PDF là, sous site là, au monde qui a toujours un sous site là. Et est-ce que version PDF ça permet pour nous toujours continuer capable de publier à Vio, Black Machine qui paie, du à Viti, Vos, toute notre qualité à Viti, qui est habitué à publier dans le journal là? Je ne sais pas, mais on propose cette option-là. Maintenant, c'est à l'État et au gouvernement d'adapter des lois pour que, parce que vous connaissez des lois qui sont obsolètes. Là, dit que n'importe quel avis, il faut le publier dans les deux quotidiens à fort tirage. Ça n'existe plus. Il n'y a qu'un seul quotidien et papier en Haïti. Donc, je pense qu'il doit y avoir des modifications qui doivent être faites au niveau de la loi pour permettre que une série d'avis, une série de publications qui pour renforcer pour l'égalité, que yo casse sur version électronique. Bon, ça, c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'imagination et d'invention. Oui, non, parce que jusqu'à où on a parlé là, bon document pour évoquer yo, et la justice, pas reconnaître version électronique là, justement, c'est sous papier, même chose en 2015. On t'a saisi et pendant que notre tribunal électoral, on met la loi là, long article là. Selon article, Robinson Jeffrey a écrit dans le journal de Nouvelles, tel numéro. Et s'il pas de faire ça, c'est des versions électroniques qui le bail, il va taper recevoir dans le tribunal là. Donc, partie ça, je m'en souligne là, monsieur Chauvet, et faut que le système judiciaire nous adapté à nouvelle réalité, ça, yo. Effectivement. Donc, et de toute façon, l'idée de le faire déjà, parce que nous sommes à l'ère électronique quand même. Donc, il y a pile de qui pour faire, comme la signature électronique, le document. Donc, là, il y a tout un chantier. Nous allons aller dans l'Ivan Folie. Oui, nous allons aller dans l'Ivan Folie. Mais M. Chauvet, pendant la communication de Béja, moi, j'ai synthétisé les grands points de Tipalé, ça, avant nous aller dans l'Ivan Folie. Ce qui se passe, c'est pas que le Nouvelliste, c'est le centre-ville, et de Port-au-Prince, c'est une situation... Et Robertson, excuse-moi, le centre-ville est d'autres quartiers. Moi, et je parle du centre-ville parce que je me trouve au centre-ville, mais il y a d'autres quartiers aussi, le bas de Delma et autres. Et d'autres. Merci un pile de préciser. Son conséquence terrible sur le formel est particulièrement terrible pour l'informel qui vit au quotidien, qui n'a pas gagné pile ressources, et Dieu seul sait gagner un coup de poing à eux. C'est un appel pour que nous prenions tête nous en main, pour nous assumer responsabilité. Parce que ici, toujours, nous, c'est pas faute. Ça, tu es bouc émissaire. Souvent, au lieu de nous assumer propre responsabilité, nous la gueule sous blanc. C'est pas que blanc, ils n'ont pas eux-mêmes, ils n'ont pas gagné des responsabilités, et dans sa cas privé, nous, dans le pays, c'est ça qui concerne nous, son appel pour la démocratie, et qui fondamental, et ou souligner l'information, c'est un produit. Il y a un coût. Maintenant, et l'information gratuite tue le journalisme de qualité, tue la liberté d'expression et renforce le péril que nous vivons là de la démocratie
Et ça, ce sont des messages clés, mais retenus dans ce palais, ça nous fait là, M. Chauvet. Et maintenant, en ce qui concerne l'information qui a un coût, est-ce que le Nouvelliste et d'autres médias, c'est aujourd'hui, c'est jour pour eux, c'est le temps pour eux d'être innovants, créatifs, pour joindre public là, côté public là, dans la téléphonie, dans des plateformes, explorer un petit peu plus les possibilités illimitées du numérique, et pour mieux comprendre tout, je dis si moi abonné dans Nouvelliste ou bien dans Aibo Post ou bien dans on l'autre média en ligne, l'homme paye un abonnement en 10-50 gouttes ou bien 1 grain de dollars américains, me pose un acte conscient que ma milité pour l'information de qualité, pour le journalisme de qualité, pour la liberté d'expression, pour la démocratie et nos aspirations de réforme et de transformation en profondeur du pays. Est-ce que vous me permettez le constat, M. Jovet? Exact. Oui, tu peux le dire comme ça, parce que où on arrive, nous sommes société, nous-mêmes, nous remettons tout bas gratis, chéri. C'est-à-dire que il faut que les gens prennent conscience de derrière une bonne information, une information de qualité, ça demande, il y a du travail et il faut des journalistes, des hommes de qualité sur le terrain. Et ceci a un coût. Et si tu veux avoir un journaliste de qualité, tu dois avoir des journalistes capables d'être indépendants économiquement, d'avoir des revenus raisonnables tout au moins pour mener une vie décente. Mais, et en fait, finalement, la qualité de journaliste que tu as, elle reflète et la qualité de ta société. Faut pas rêver. Nous, dans la société, nous gagnons. Si nous gagnons déjà quelques médias qui font un travail excellent, c'est un miracle. Parce que, et ta société, à tous les niveaux, société haïtienne, je ne crois pas qu'elle mérite ça, parce qu'elle n'a pas fait effort, elle n'a pas engagé assez pour l'aider à développer un journalisme professionnel et de qualité de ce pays. Maintenant, Livre Folie, avant de vous remercier pour nous faire pour nous rentrer dans l'éditorial là, et reporter Sinédier, c'était 30e édition. Livre Folie, son indicateur, son baromètre, nous fait même après le tremblement de terre 2010. Et là, on est obligé de reporter. Pourquoi, M. Chauvet? Pour plusieurs raisons. Et première raison, Takadio, c'est que beaucoup de titres ne seront pas disponibles. Parce que situation ça a impacté en pile imprimerie, qui soit pas qu'à travail parce qu'il n'y a pas gagné un train, soit écrivain qui t'a voulu publier à compte d'auteur, mais vu situation économique là, qui pas qu'à faire, ou bien qui réalisait que le pouvoir d'achat tellement bas que même si il fait effort, sacrifice, il investit dans la production, fait imprimer mon livre, que le lecteur n'est pas présent. Ensuite, question de lieu, l'espace disponible. Pratiquement, les hôtels sont pratiquement fermés. On prend côté Takou Caribé qui est en mode de, il fonctionnait juste avec espace que louait à l'organisation internationale, mais l'hôtel ne fonctionne pratiquement pas. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne à venir. Donc, et ensuite, l'état d'esprit, la question sécuritaire en premier, et deuxièmement, l'état d'esprit des gens. Et nous t'es pensé que c'est vu ça n'a traversé, hein, et tout, bien que ce soit la 30e édition, et que 30e édition devait fêter grandiosement, mais nous décidons de reporter les, et nous pas éliminer l'édition de ça, nous juste reporter les en espérant, des jours meilleurs, ça c'est le côté mon côté optimiste qui parle, et que dit avant fin d'année, on n'a pas réalisé 30e édition. Maintenant, un message aux écrivains, aux créateurs, à tout le monde dans l'industrie, ça, qui, depuis 30 ans maintenant, c'est le rendez-vous. Est-ce que vous nous dites, continuez à créer, ces adversités n'ont pas passé au travers de ça. Quel est le message pour cette Bon, le message, c'est que pour le moment, il y a trop d'obstacles à la réalisation de l'événement. On ne désespère pas de le faire dans quelques mois. Mais l'écrivain qui voudra écrire va toujours écrire parce que s'il a quelque chose à transmettre, il a quelque chose à dire, il aura son manuscrit. Maintenant, le faire imprimer, c'est autre chose. Là, c'est encore le côté économique parce que tu le veux ou non, l'aspect économique rentre dans tout ce qu'on fait à travers le monde. Il faut qu'il y ait, parce que le livre, c'est aussi une industrie du livre. Il faudra qu'il trouve des sponsors. Il y a très peu de sponsors. Les sponsors ne sont plus en mesure de sponsoriser. Les imprimeries ont des difficultés à imprimer, les coûts vont exploser. Donc, les lecteurs sont peut-être là, mais de moins en moins, parce que nous avons perdu beaucoup de ressources humaines, de qualité.
Donc, tout cela fait que l'environnement n'est pas propice actuellement à tenir cet événement. Mais ce n'est que partie remise. Ma dernière question, et avant de me remercier pour votre disponibilité, et Monsieur Chauvet, le nouvel espoir, c'est qui ça, en quelques mots? C'est qui ça? Nouvelliste, là? Bon, et toujours dit ça. Nouvelliste, c'est pas journal. Ouais. Bon, c'est héritier d'une tradition familiale. C'est quatrième génération. Mais nouvelliste, c'est pas pour moi. Nouvelliste, c'est pour la société haïtienne. Non. Bah, et peut-être propriétaire journal là, mais c'est pas moi qui bah, mettre journal là. C'est pas moi qui dis ça. M'a dit, bah, j'aime utiliser journal là pour me faire passer point de vue. Moi, c'est le journal. C'est toujours la tra ça a toujours été. L'esprit du journal, le journal de tolérance qui est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que c'est esprit de convivialité, ça, esprit de partage, d'échange d'idées, de débat d'idées, mais c'était ça avant tout l'idée des prédécesseurs qui fait que nous l'a toujours. Écoutez, dans nos presse, on a toujours gagné des monde qui apprécient, gagné l'autre monde qui a shooté sur vous, qui a pris vous, qui a inventé n'importe qui soit, ça c'est secondaire. Mais le journal représente avant tout 125 ans d'histoire du pays, la grande histoire comme la petite histoire. Et Georges Covington, dès qu'on dit ça, dans le temps et de son vivant, tout est tome que l'écrit sur et Port-au-Prince au cours des ans, il fait la partie de recherche dans le Nouvelliste, le Matin, la Phalange, les journaux qui informaient de tout, pas seulement des informations politiques, mais de tout, de la vie des citoyens, des Port-au-Princiens. Donc, on a changé de cap. Le journal actuel n'est plus le journal d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est quand même un repère, c'est un espace où on peut échanger des idées sans avoir à se battre, sans avoir à se comment dire, à s'injurier réciproquement. C'est un journal, c'est un espace de tolérance. Et nous espérons pouvoir, dans un avenir relativement court, reprendre nos éditions papier, parce que bien que la nouvelle génération soit de plus en plus et connectée sur l'électronique, mais on a quand même toute une génération qui vieillit, c'est vrai, mais qui est attachée à son papier, à son quotidien, à son journal, qu'il espère recevoir bientôt quotidiennement chez lui et déguster autour de son café, de sa tasse de café, et lire tranquillement et les nouvelles proposées par le journal. Merci beaucoup, Monsieur Chauvet, et Kembela, à bientôt. Merci à toute l'équipe et continuez à faire cet excellent travail que vous faites. Merci beaucoup.